Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre programme de C'est pour moi. Aujourd'hui, je suis dans le psaume 145, le verset 14. La Bible dit ceci: L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Seigneur, merci pour cette parole de réconfort. C'est une parole assez particulière par rapport à toutes les autres paroles que nous avons toujours données. Mais aujourd'hui, je me dis, lorsque je tombe, il y a quelqu'un qui me relève. Combien de fois lorsque nous tombons, amis, frères et sœurs, collègues de travail, nous pointent le doigt. Il y a quelqu'un qui ne nous pointe pas le doigt. Il s'appelle Jésus. Et je sais qu'il est près de moi lorsque je tombe. Lorsque je tombe, ça veut dire quoi? Lorsque je tombe, c'est-à-dire je me retrouve dans une faiblesse que j'ai confessée autrefois et que je me retrouve encore dans cette faiblesse. J'ai pleuré à Dieu. Mais combien de fois je retombe encore dans les mêmes choses, dans les mêmes choses qui frustrent le Saint-Esprit. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est mon soutien. Pendant ce temps-là difficile, Seigneur, tu es mon soutien. Laisse que ton nom soit béni parce que tu restes mon soutien. Ce n'est pas que tu approuves ce que je fais, mais tu me soutiens parce que tu veux me redresser, parce que je suis courbé. Et déjà là, la culpabilité envahit mon cœur. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, ce que j'aime avec toi, c'est que tu viens pour me redresser. Tu ne viens pas encore pour me condamner. Tu ne viens pas encore pour me laisser courber, mais tu viens pour me redresser. Il se peut que tu traverses une situation pareille. Bien-aimé, il est celui qui redresse. Prie avec moi et dis: Seigneur, tu es celui qui me redresse. Oui, il y a eu des fois où je suis retrouvé dans les mêmes situations, mais cette parole de psaume 145, 14 m'a fait du bien. Le soutien de ma vie et le Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. Oui, les paroles des hommes me courbent davantage. Leurs yeux, leurs regards plutôt me courbent davantage. Mais lorsque je lève les yeux vers toi, je te vois me tenir par la main et venir pour me redresser, pour me redonner la force de continuer la marche. Parce que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi aussi à tenir fortement la main de mon Seigneur qui vient pour me redresser dans ce moment difficile, qui vient pour me dire: je suis là à tes côtés et je suis ton soutien. Bien-aimé, combien de fois nous trébuchons, nous tombons. Et cette parole, tu peux toi aussi te l'approprier, la déclarer tous les jours et la partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse.